Nicolas Boileau, les pneumatiques Alliance. Alors, je suis ici pour vous présenter une nouveauté chez Alliance, en l'occurrence le A550, un profil qui est destiné à l'utilisation de tracteurs à vocation, je dirais, agricole pour les communautés de communes, les DDE et tous les gens qui sont chargés de l'entretien et de l'environnement, je dirais, de voirie. Avec un profil qui est plus orienté pour une utilisation routière, avec des indices de charge très importants qui permettent de gérer beaucoup de contraintes. L'intérêt de ce pneumatique-là, c'est qu'on est sur une carcasse radiale avec un espacement intercampon qui est intéressant, qui permet aussi d'avoir une traction et une stabilité. On a un pneumatique qui est construit autour d'une carcasse radiale avec une double ceinture ici qu'on peut apercevoir ici. Donc c'est vraiment des pneumatiques qui sont dans l'air du temps avec des indices de charge et de vitesse qui répondent aux nouvelles normes. Alors à l'heure actuelle chez Alliance, la gamme forestière évolue. On arrive sur un pneumatique F342 chez nous, qui est un pneumatique à carcasse radiale, application forestière, avec des applications qui vont arriver pour les abatteuses, les porteurs et les tracteurs agroforestiers avec des dimensions 710, 710 R42, 660 R28 pour les tracteurs. Et on va rester sur les classiques en 655 R26.5 pour les porteurs et abatteuses et 710 45 R26.5. Donc la nouveauté, c'est vraiment une carcasse radiale à application forestière avec un profil qui permet d'avoir d'accéder dans tous les terrains et un décroché qu'on a fait exprès ici pour éviter d'avoir un pneumatique qui va gérer trop se remplir et trop s'embourber. Chez Alliance dans la forêt, la gamme F344, la carcasse conventionnelle évolue avec des dimensions qui vont arriver pour répondre au marché, avec des dimensions en 24.5 pour couvrir des demandes de la Scandinavie avec les marchés d'origine. Maintenant, c'est un pneumatique qui a deux ans sur lequel on a de très bons retours et les clients commencent à être plus communs dans ce profil-là.